Et donc, salut à tous, c'est Adran, et aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de RE1 Rebirth. Alors, je ne me souviens même plus où c'est qu'on s'était quitté. On était à la pharmacie, il me semble que je n'avais pas encore rencontré mon premier Hunter. Et au fait, c'est un nouveau casque micro, donc je compte sur vous pour me donner un peu de feedback. Et j'ai remarqué un truc très rigolo. Vous vous souvenez du camion dans Resident Evil 5 avec Arma? Eh ben. Si vous voulez demander comment j'avance comme ça, en fait, je spamme ma gâchette pour tirer comme un sale chien. Et en fait, je me rends compte qu'on avance comme ça. On avance, on peut presque faire le jeu. Ça serait presque une façon de faire le jeu de jouer comme ça, hein, spammant comme un chien sans. Bref. Ça serait presque marrant. Ah, bref. Et alors, excusez-moi 2 secondes. Qu'est-ce que je devais reprendre déjà? Je me souviens plus. Je sais même plus où j'en étais, ça m'énerve. Je sais plus où j'en suis. Ça va tellement être horrible. Un physique casting, grenade. Un masque, un symbole. Une herbe verte. Bon. On va sûrement beaucoup galérer dans cet épisode. Ce sera l'épisode de la reprise, l'épisode de la remise en place, l'épisode où je vais fail comme un chien, où je vais crever, où je vais. Bref. Where am I? I'm on the Umbrella Mansion, ready to die. Alors peut-être qu'un invité surprise fera son apparition s'il peut venir. Il m'a dit qu'il essaierait. Qu'est-ce qu'il y a là? Je me souviens pas. En tout cas, il y a une armoirie. Ah! Ah oui, c'est là qu'il y avait les chiens. Les wouf wouf! Donc ce n'est pas par là. Par où elle dois-je aller? Ah! Vraiment, je déteste ces putains d'angles de caméra de merde. Je sens qu'à un moment, il va me faire un gros coup de pute, genre coucou! Le plus important est de rester calme. Non, la carte. La carte. Donc, en exploration, explorer. Une porte bloquée là-bas. Cette porte où il y a un endroit bloqué. Ah oh, putain, je me trompe toujours. Merde. Je me trompe toujours, donc je disais. Attendez, il y a une porte bloquée là. Cette porte là est bloquée. C'est verrouillé. L'emblème d'un casque. Alors je sais pas du tout où il faut que j'aille. J'ai un peu peur à vrai dire. Je n'aime point savoir où. Je n'aime point ne pas savoir où je dois me diriger. Là-bas, il y a une porte verrouillée, on va aller voir. La boum! Ah! Il me semble que là, je suis écarté de toute menace zombie. Putain, je me trompe toujours. La porte derrière qui est bloquée. Okay. J'ai un peu peur. Je me rappelle, je crois que dans cette salle il y avait des zombies rouges et les zombies rouges sont vraiment pas cool. C'est cette porte qui est bloquée. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Holy shit. Bon. J'ai pas dit qu'on en allait pas galérer. J'ai pas dit qu'on allait pas galérer. Ah! Non, je déconne. Alors, normalement, c'est une salle safe ici. Plan. Là-bas, la porte est verrouillée. Est-ce qu'il faut... En fait, le souci des portes verrouillées, c'est que en soi, si elles sont verrouillées, c'est qu'il y a quelque chose. Vous utilisez la clé armure. Donc, en fait, c'est un jeu où, en fait, avancer et découvrir. Ben, bref, c'est. Oh putain, plus j'ai un plan tellement foireux. Ah ouais. Ah ouais. Il faut que je traverse toute cette zone. Putain. Ouais, donc toi en bas.
Tu vas te réveiller. Forrest a rendu l'âme. On dirait qu'il est mort depuis un bout de temps. Ouais, ben justement! S'il est mort depuis un bout de temps, en plus, j'ai envie de mettre une balle quand même, au cas où. Bah vous savez quoi, hein. Oh, j'ai pas vu ça. Une table de verre. Je crois que c'est des cartouches de balles. Putain, j'arrive pas à y aller. J'ai vraiment dû. Ça y est, ouais, c'est bon, munitions pour pistolet. Donc là, je vais aller faire de la place. Je vais aller faire de la place. Zone safe. Courage, une brillante arrivée. Je vois venir le moment où je vais flipper à cause de mon ombre à côté là. Genre, oh mon dieu! Ah bah en fait c'était moi. Oups! Des papillons! J'ai voulu chanter une chanson, mais je pense que ça aurait cassé toute l'immersion du jeu. True story. Bon, vous m'excusez s'il y a un tout petit bruit de fond, c'est à cause de... Il y a un petit bruit de fond, c'est à cause de mon ventilateur, mais en fait je tiens à ne... je tiens à ma survie et je ne compte pas mourir de chaud. Déjà que je risque de mourir de peur en soi. Mais en tout cas, je sais pas si j'enregistrerai énormément hein, ce soir. En fait, il y a... je vais meubler parce que ça va me faire oublier que je suis dans Resident Evil hein. Le meublage sauve l'esprit. Il y a deux grosses différences entre... Mais deux, en fait, je fais deux espèces de let's play live. Parce que pour ceux qui savent pas, je fais aussi Pokémon Emerald en live. Et en fait, il y a les let's play où c'est interactif, genre Pokémon Emerald. Et les let's play live où ils sont justement pas du tout interactifs, genre Resident Evil, c'est genre le chat. En fait, pour ma sécurité morale et ma santé mentale, j'évite de le lire. Parce que je vois bien les gens me faire des coups de pute, genre. Ah, attention, t'as manqué un truc super important! J'y retourne et puis là, it's a trap! Donc j'avoue que ce genre de let's play live, en fait, c'est. En fait, je live juste par principe de montrer aux gens comment j'enregistre en conditions réelles, mais à vrai dire, le chat, j'essaie de le lire un minimum. Parce que j'ai peur de vous. Oui, vous me faites peur. Oui, le chat. Oui, toi, Fanaro07. Oui, toi, Trevasu. Oui, toi, Cassisman. Oui, toi, Keep Smile. Vous me faites peur. J'ai peur de votre fourberie d'humain. Toi, tu vas te réveiller. De toute façon, je... Allez, vas-y, réveille-toi. Arrête de me faire des coups de pute. Réveille-toi. Il veut pas. Il s'est réveillé. Et vous avez vu, j'ai pas paniqué pour une fois. J'ai pas paniqué.
C'est bien, je m'améliore. Ah, je peux pas le brûler, lui. Ok. Je peux vraiment pas le brûler, vous êtes sûr? J'ai un peu peur. Je dois la concéder. T'es mort? Tu reviendras jamais plus? Promis? Juré? Je vais quand même essayer un dernier coup. Il faut que j'utilise le briquet. Non, je peux pas le cramer. Et là, invasion. Je déteste ces plans de merde. En fait, je suis juste devenu pour lance-grenade. C'est bon. Mais là, c'est bizarre qu'il me fasse pas un coup de pute, j'ai rajouté des zombies. Allez-y, ajoutez des zombies. Je le vois venir. Pour une fois que je vais venir un truc, merde. Donc attendez. Ok, ok, ok. Il ne se passe rien. Allez, vas-y, dis-moi que j'ai oublié de brûler des zombies ici. Par là que je dois passer. J'ai oublié un moment où j'ai oublié de brûler des zombies, je vais me taper des zombies rouges à la mort qui tue, puis je vais pleurer un coup. Ah, c'est bon, c'est lui. What's up? Richard se repose, vous devriez peut-être le laisser tranquille pour le moment. J'ai bizarrement pas envie d'y aller. Attendez. Pour ma survie. Parce que je vois venir la grosse arnaque. Je vais aller chercher 2-3 petits trucs. C'est quelle porte? Celle tout au fond. Il ne se passe rien. Ce jeu est calme. Très calme. Non, je ne suis pas du tout oppressé par cet environnement. Boom Hunter! Holy shit! Mais c'est pas ici qu'il y en a un normalement. En fait, j'espère que mes souvenirs du Let's Play de Karma vont me... vont se revenir petit à petit histoire de me rassurer. Voilà, je vais faire un truc tout con. Déjà, je vais poser ça. J'ai que 4 rubans encreurs. Ouais, on va peut-être pas sauvegarder, j'ai rien fait. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on va prendre. J'ai pas de grenade. Bon, tant pis, je prends des grenades acides. Voilà. Et là, on va sagement se diriger vers ce qui me semble être un boss. Oui, vous ne rêvez pas, je vais aller affronter un boss. Moi, le couar. Crouc. Et on ouvre la porte. Et on ouvre la seconda puerta. Rick.
Ce qui me ferait rire, c'est que les mecs, en fait, les mecs chez Capcom, ils étaient putes. Et genre, au bout d'un certain nombre d'allers-retours dans cette salle, les mecs, ils font, non, il y a des monstres maintenant. Non! Brad, what's up? C'est verrouillé, l'emblème d'un bouclier. Holy shit! Putain, pour une fois que j'étais courageux. Bah non. Mon courage s'envola. Alors, en exploration, il y a la salle là-bas. Beaucoup de salles en rez-de-chaussée aussi. En fait, j'ai encore plein de salles à ouvrir au cas où. Bon, ben on va redescendre quoi. J'avais pas réellement envie. Je dois le concéder. J'ai pas allumé le chrono d'ailleurs. C'est bien par là qu'il faut que j'aille. Ah ouais, c'est tout ça que j'ai carrément jamais visité. J'amène un casque. Ok, le jeu vient de me faire ta gueule. Comme ça. Genre, no, you shall not pass. Il est pas bloqué lui. Dans le doute, crève. Yes, you know dead. Non, t'es mort. C'est celle-là de celle que j'ai jamais vérifiée entièrement. Ah, c'est pas là qu'il y a les chiens. Diverses sculptures et fragments de peinture. Je crois que c'est là qu'il y avait les chiens. Je les ai butés, je crois. Non. J'ai vu un truc en dessous, je crois. Oh, un chargeur. Mais qu'est-ce qu'il fout sous cette commode? Il y a encore un truc que j'ai pas fait dans cette salle. Qu'est-ce que je sais que j'ai pas vu? Réfléchissons. T'as
Peut-être que sous cette commode-là, il y a aussi autre chose. Non. Qu'est-ce que c'est que j'ai manqué? Non, mais j'ai manqué un truc parce que le truc il me dit en exploration donc. Ah ben voilà. Un coutelas. Toupidoupidou. Alors, cette salle est bien explorée maintenant. Il y a une porte à droite que j'ai pas ouverte. La salle a un côté exploré. Je crois qu'il y a des zombies. Yes. Yes. Putain, t'es sérieux? Oh, ils sont juste pas là en fait. Wow! Ça c'était sûr. Where are you? Je les touche là ou pas au moins? Putain, ils sont de l'autre côté, putain, j'hallucine quoi. Je croyais qu'ils vont sauter. Est-ce que je peux le buter? Non. De l'acide sulfurique. Pourrais-tu nous dire contre quoi c'est efficace? Cette bande d'enflure. Ouf, 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 ouf. Bon, vous savez quoi? Je vous propose d'aller faire un peu de défonçage de zombies. Sauf si c'est eux qui me défoncent, bien entendu. Sinon, tu peux arrêter de me prendre pour un con. Yes, you know dead. Yes, you dead. Yes, you dead. Hop. Ah, il en reste encore. Je brûle. Et de deux. Allez. Là, je retourne chercher du kérosène. Et on va faire un peu de ménage par ici. Non, ce n'est pas par là. Fail. Holy shit! Ah ouais! Ah ouais! Vas-y, relève-toi! Connard! Je me suis immunisé contre vous! Vous ne me faites plus peur! Enfin bref, j'ai sursauté! What's next? Allez! Et toi, tu peux arrêter de me prendre pour un con? Voilà, c'est bien.
Arrête de me prendre pour un débile. Bon. Je me sens déjà un peu plus en sécurité par ici. Je crois qu'il y a un zombie dans la salle là. Je crois que je l'ai pas buté. J'ai un doute. Is anyone here? Voilà, je crois que je l'ai buté. Si ce bâtard me fait un coup de pute. Genre une fois il y en avait un là. Il y est pas. Ah merde, cette porte est ouverte. Mais je veux pas trop me... Non, je voudrais éviter de me disperser. Pour l'instant. Je vais essayer d'abord de claquer toutes les clés que je peux... Enfin, je vais essayer de claquer ma clé d'abord. Et après, on verra. Donc, je vais ouvrir celle-là. Celle-là, est-ce que je peux l'ouvrir? C'est verrouillé. L'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de porte. Bon, ben, on va rentrer dans cette salle. Ah, j'ai entendu un bruit bizarre, mais 2 secondes, il faut que je me mouche. Voilà, re, désolé. C'est quoi ça comme bruit? Des corbeaux. Ah, je crois que je me souviens de cette énigme, je l'avais vu. Non, c'est bon. Que je me souvienne. Lisa, protégée par les 3 esprits, une femme porte un bracelet, un collier et une couronne. Il y a un interrupteur au bas du tableau. Appuyez dessus. Non. Quoi? L'image d'un brave portant un bracelet, les certitudes d'un vitrail jaune. Il y a un interrupteur à vue dessus, non. Bracelet. Un collier. Attendez, c'est peut-être une histoire d'ordre en fait. C'est de quoi l'ordre? Un bracelet. Bracelet, collier, couronne. Bracelet, collier, couronne. Du bas vers le haut. Bracelet, collier. Et toi t'as quoi? Une couronne, ok. Donc ça c'est bon. Je pense que c'est un lien avec couronne. What is the fuck here? Le titre dit apporter la lumière de la vérité aux 3 esprits. Apporter la lumière de la vérité aux 3 esprits. Apporter la lumière de la vérité aux 3 esprits. Apporter la lumière de la vérité. Ah nanan. Attendez. Jaune. Jaune. Rouge. Je. Est-ce que c'est pas une histoire de parallélisme? Genre que d'un côté sur les deux autres, alors on va voir, on compare. Non, en fait c'est pareil. Bon, au pire. Vu que je suis spé fail, hein, au point où nous en sommes. Holy shit! Holy shit, holy shit, je suis un idiot, trop lolo. Bon, est-ce que les corbeaux vont se calmer? Les corbeaux se sont calmés. Bon. Niveau gamin, donc. Niveau gamin, on est d'accord. J'appuie sur les boutons. Oui.
En fait, j'ai peur qu'il ne faille activer qu'un côté. Et là, je sais pas pourquoi ça va être ça. Eh, si j'avais raison, il n'y a qu'un côté activé. Holy shit! Courir! Je vais me faire becter la tête. Je vais me faire becter la tête. Je vais me faire becter la tête. Putain. Donc. Théoriquement, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais essayer d'activer qu'un côté. Putain, je galère. Alors, je veux pas être méchant, mais en fait, je. Verte. Bleu. Pourpre. Oh, putain, mais oui! La couleur des objets! Verte. Ok. Non, c'est pas ça. Attends, c'est pas la bonne couleur. C'est pas la bonne couleur! Putain, ouais, ok, j'ai allumé mon cerveau entre-temps. Si j'allume ici, d'une couleur blanche et pure, ok, donc non. Toi, je veux que tu sois jaune. A pris une couleur orange. De quelle couleur est la couronne? La couronne est verte. Donc je recommence. La couronne est verte. Donc là, c'est bon. On est d'accord. La couronne est verte. D'accord. Le bracelet est violet, c'est bon. Et toi, t'es orange. Et pour une couleur verte. Donc non, c'est pas ça, c'est l'autre interrupteur. Ok. Tuk 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 tuk. On avance, on avance. Doucement, mais sûrement. Surtout doucement, en fait, mais. Couleur orange. Yeah! Niveau CP, GG Adran, ta 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 ta. Sweet Mother of God. Oh yeah. I finally do it. J'ai pas de place. Fuck! Je me déteste. Bon. Demi-tour. Tout. Là, ce serait bien la musique dans Mario, c'est les genre la musique de fail dans les bonus. Bref. Je sens que je vais me faire insulter dans le chat, je le préfère pas le lire. Genre, mais quel putain d'idiot ce mec, j'hallucine, l'énigme, ce niveau, grande section maternelle, il y arrive pas. Holy shit. En fait, je flippe tellement que je suis obligé de me surcharger. T'es mort de toute façon, you dead bitch. Je t'ai buté tout à l'heure, je m'en souviens. Comme si c'était il y a 2 minutes, c'était il y a 2 minutes, on est d'accord. Je sais pas pourquoi je me mets à rapper parce que je suis une merde, bitch. Je vais arrêter. C'est à cause de Toboscus, voilà. Je l'ai dit. On va y arriver. Et là, je suis prêt à parier ce que vous voulez que je vais tomber sur un putain de hunter. Oui, je l'attends. Hein. Je pense que le hunter, il sera pas surprise. Il me fera peut-être peur sur le coup parce que il arrivera le moment où je m'y attendrai pas. Bien entendu, sinon c'est pas drôle. Oui, c'est la bonne porte. Vas-y, petit hunter. Viens me faire peur. Viens me foutre la frousse de ma vie. Me faire regretter d'avoir commencé ce jeu. Et faire en sorte que je ne le finirai jamais. Vous me direz, je suis déjà allé plus loin que quand j'étais gosse. Donc, dans ce jeu, se surcharger est la pire idée ever. Mais bien sûr, comme je suis un froussard, il faut que je me surcharge pour comme ça je me sens en sécurité, vous voyez. Bref, tout ça pour faire des allers-retours. Ouhou, c'est génial! J'aime ce jeu!
Vive l'histoire de Bottle Roll! Death Note d'abord. Death Note d'abord. Câble de Tasmanie, Bref. Excusez-moi, je me gratte l'œil. Voilà. Je crois que le jeu commence à atteindre ma santé mentale. Putain, mais vous ouvrez pas si violemment, putain de porte, quoi. Genre, dans la vraie vie, moi j'arrive, je me mets devant la porte, j'attends 3 secondes, puis j'arrive, je... BOUF! Je les ouvre en grand, genre, grosse violence, tu sais. Oui, bien sûr. Mais oui. Putain. J'arrive quand même à avoir peur d'une ouverture de porte, alors je vais s'imaginer quand je vois des zombies. Putain, porte de merde. Attendez, c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Parce que moi et ma mémoire de poisson rouge. Putain, c'est marrant quand je bouge le stick, on entend que ça. La musique qui se remet là pour me faire peur, genre. Oh, attention, fais attention, hein. Ça va repop. Connasse. Oh, attendez, j'ai un petit message sur Skype. C'est peut-être karma. Oui, je l'ai dit, c'est peut-être karma. Où est-ce qu'il est, ma souris? Elle est là. Non, c'est pas lui. Oh là là. Oh là là, la déception. Je suis tellement déçu. J'allais tellement me sentir safe. Maintenant, je ne le saurais plus. Et vas-y que je fous la musique oppressante pour te faire stresser. Et le pire, c'est que ça fonctionne et tu vas me faire déraper. Comme le fromage. Salut Jill, ravi de te voir en plein écran. Full screen HD. Je sais plus par où j'étais passé. Putain, mais c'est vraiment moi qui ai une mémoire de merde, quoi. J'étais bien passé par là. Attendez. Non. Faut que je continue. Croc. Là, on va faire le coup de la porte. Je l'ouvre brutalement. Wesh. En fait, vous voyez, c'est au cas où il y a un zombie derrière. Comme ça, il faut un coup de porte. Boum, le zombie. Je crois que j'étais passé là. Non, c'était pas là, justement. Quoique. Si, c'était là. Je vois, elle arrive, Jill, et puis POUF. C'est un zombie derrière, il se prend un coup dans la gueule. Et il y a une chance sur deux qu'il se prenne la poignée dans la gueule, donc headshot et dead. Quoi? Quoi? Tu me dis quoi, le corbeau? Prends cet objet, le masque mortuaire. Oula, ah, attendez, j'ai un message sur Skype. Oui, maintenant, dès que j'ai un message sur Skype, je vais me prier. Putain, c'est pas lui. Non, je ne te répondrai pas. Putain, j'ai tout fait dans cette salle au moins. Dans cette salle, c'est bon. Après, le truc, c'est qu'il faut que je continue mon exploration. Non, c'est plus. Je parle à des corbeaux en faisant la mouette. Ce n'est pas grave. Et là, je fais le fuck. Fuck. Bdum. High level. Je me démerde comme je peux pour oublier que je joue à Resident Evil en fait. Au cas où vous n'ayez pas compris. Ah, encore un deuxième message. Holy fuck, je suis sûr qu'il faut exprès. Putain. Vous me brisez mes rêves, mes espoirs de survie, tout ce qui va avec. Ah, plus. Putain. Holy shit. Croc. Et là, vous voyez.
La Jean, en fait, elle est pas maligne du tout puisqu'elle tire la porte. Oui, elle tire la porte. En gros, s'il y a un zombie qui arrive, le zombie lui prend dans les bras. Alors que si elle a poussé, le zombie se prendra un coup de porte dans la gueule avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Elle est vraiment couille. Hein. Bref. Oh, trois messages! Putain, je vous déteste! Mais comment je vous déteste! Voilà, c'est dit. Je vous déteste. Je vous déteste. Maintenant qu'il est. Je sais même plus ce que je fais, voilà, je pars en couille. Pourquoi est-ce que les gens sont si cruels avec moi? Ils savent que je suis en train de faire comme un chien et que j'essaie de le cacher. Et ils mettent l'impression là. Mon enculé. Je sais jamais quelle porte c'est. La seconde. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Putain. Ils m'ont fait croire, j'ai 4 notifications Skype. Voilà. Et bien vous savez quoi, voilà. Moi je vous boude et j'arrête. Voilà. Je sais pas combien de temps dure l'épisode. On n'a pas fait grand chose. J'ai surtout... C'était surtout psychologique. Mais tant pis. Je gaspille en ruban quoi. Voilà, moi je suis un fou. Et voilà, bam. Ciao les gens. Ha. Et le live, je vous merde. Bande de méchants à me torturer là. Hein, hein, vous faites exprès de me torturer. Hein, vous faites exprès de me torturer. Hein. Oui, toi là. Attendez. Je peux faire un plan, là, genre la caméra. Oui, toi là, tu vois que je pointe avec... Saloperie. Toi là, que je pointe avec mon flingue, tu vois. Eh ben, prends ça. Méchant viewer.